fuck, est-ce que je peux détester les araignées? Mais les gars, elle est pas aussi loin. Calmez-vous là. C'est vrai, il faut que je suis un point, mais... Ouais, je vais lui changer un truc. Son deuxième sort, ce sera le sort de... Non, pas de vent curatif. Avec la glace, il fait 26 à 36. Ça, ça fait beaucoup plus de dégâts. Non, ça, ça fait du 14 à 19. On est en deuxième place. Comme ça, j'en ai un qui soigne. Donc attaque. Par contre, avec son sort là, ça va être compliqué. Enfin, ça va faire que... Il va pas attaquer souvent, quoi. Je l'utilise comme tout, là. Et on utilisera le lien quand j'ai vraiment plus de mana. Enfin, de potion de mana. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est un sort pour voler du mana des autres. J'ai l'impression que je vais dans la mauvaise direction en fait. Ok, on va revenir en arrière. Maintenant que j'ai éclaté un peu tout le monde, je peux. Cette fois, on prend l'autre direction pour voir où est-ce que ça mène. Mince. Ah mais je suis
Franchement, je crois que j'ai 7. Ouais, bon. Faut qu'on récupère un peu tout. On commence déjà à manquer de place. Déjà, on va commencer par éclater un peu tout ce qu'il y a autour. Suite des catacombes quoi. On est en train de s'enfoncer de plus en plus. Pas forcément de sortir d'ici le plus vite possible, c'est surtout d'augmenter leur la puissance de mon de mes aventuriers quoi. J'ai un coup à passer à côté d'armes assez intéressantes, donc bon, je préfère faire un peu tout. Je sais, ça va vous saouler un petit peu de faire les allers-retours, mais se recharge un peu. Vous pouvez pas faire ça en marchant, non? D'aller à la fournée. Thank you.
Merde, 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 merde. Tellement soigné les gens. Ouais, rebelote, on va repartir en arrière. Et s'il y a un panneau... Au moins, on aura fait un bon petit peu... Enfin... On se sera bien baladé, quoi. Je suis désolé, mais j'ai pas de carte de l'endroit et... On peut pas dire que la carte soit hyper utile. Voir ces espèces de catacombes. Et là, je vais me rendre compte que c'est un deuxième accès pour la forêt noire. C'est un gros piège là. Il n'y a rien à récupérer autour? Non. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a en bas. What? Putain, faut garder au moins... Ok. Ouais, tu vas te mettre là. Qu'est-ce que tu pourrais jeter? Ça, t'en as déjà un. Ok. Faut qu'on garde en... Faut qu'en fait il y ait des trucs qui restent là. Ah merde. J'avais pas pensé. Ok, c'est bon. Si les objets restent sur les dalles, on peut descendre. Ça, ça va être le même coup, il va falloir laisser des objets par terre. Ok, là ça sent les 4, ça sent 4 dalles, non? C'est un truc comme ça. Ah, d'accord, c'est juste que j'ai... J'ai pas mis les chaussures au bon endroit. Ah et voilà, ça a ouvert une porte.
Ok, normalement ils sont au bon endroit maintenant. J'ai encore zappé. Le passage fait frais comme ça. Ok. Ok, ça c'est quoi? Qu'est-ce que t'as pour acheter? Bon, la dague. Ok. Ah ouais. Bah là on peut y laisser ça. Par contre cette fois ça n'a rien ouvert. Mais vu qu'il y a un truc avec ça, non? Ah voilà. Il va y avoir une dalle au milieu. Ça, et il y a plein de mini, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je pourrais laisser là? Je sais pas, peut-être un bouclier que je pourrais laisser pour l'instant. Non. Voilà. Et heureusement qu'on ramasse pas les objets en marchant dessus. Encore raté. Allez, c'est parti, un peu d'action. Pas beaucoup d'or au milieu, hein. Peut-être qu'il y aura plus d'or à côté. Il y a des gobelins là. Oula. Ok. Seulement pour ça.
voilà. C'est ce qu'il va falloir rester, enfin garder un coup dessus. Comme ça par exemple. Beaucoup plus intéressant par ici. Œil de furie. Il y a un autre passage ou pas? Non, ça se trouve c'est justement pour bloquer la porte. Non, c'est pas pour bloquer la porte. On va peut-être essayer de garder un truc dessus. Non, pas ça. Ah d'accord, c'est un truc à vendre. Non. Pose ça sur la plaque. Non, sur la plaque. Voilà. Je sais pas, ça se trouve. Ça a ouvert un autre passage peut-être plus haut. Ça c'est quoi? Non, c'est le passage qu'on a ouvert pour pouvoir descendre, ok. Pareil, c'est pareil, là il y a un passage qu'on a ouvert pour pouvoir descendre. Je sais pas à quoi sert ça, ça se trouve tous ces... Ah non, il y en avait un aussi dans la pièce, dans la dernière pièce. Non, là ça a rien ouvert de nouveau. Je sais pas. Ça a pas ouvert un truc dans les parages, non? Non, il semble pas. Ok, alors on va faire un point sur l'équipement. Ah voyons, 39-68. Là, ça a besoin de dextérité, donc c'est pas pour toi. De 58, ça donne quoi? Ajoute 7 points de santé. Ouais, ça peut être pas mal. Ajoute de l'armure. Ça fait plus ça en dextérité, c'est plutôt pour toi. Ça a besoin d'intelligence. Un niveau 22 d'intelligence. Place. Ouais, non, t'as plus de place. Alors, défense 3, nécessite 14, ajoute 5 d'armure, dégâts à distance 3%, ajoutant au combat à distance, ajoute 8 points de santé, par coup. Merde, c'était pas à lui que je voulais le donner, en fait. C'était à lui, voilà. Il faut de la force.
Toi, t'as des armures, mais c'est pas vraiment utile. Six points d'armure. Ouais, non. Non, non, non. Ça, pour le donner en bas. Ça, non, ça, non. 8 de défense, 15% de chance de lancer une décharge électrique. Ça peut être pas mal. Ah ça, ça a besoin de dextérité 12. Personne a dextérité 12. Ah si, il y en a qui l'ont quand même. Ouais, toi t'as des armes, mais ça sert à rien. Enfin du moins, ça te sert à rien. Vite dit. Sept d'armure, 15 points de santé, 26 points de mana. Ça donne quand même pas mal. Ouais, non, comparé à ça, y a pas photo. Attends, un peu plus d'armure, ça peut être pas mal. Ça ajoute 1 à distance, ça peut être pas mal aussi. Je me suis trompé, voilà. Toi, tu récupères un truc qui donne 1 à distance. Ah, toi t'as des anneaux, 7 points de santé. Combat à distance, c'est plutôt pour elle. Ouais, du coup elle a plus 2 à distance. Ah, j'ai oublié de lui donner les arcs. Force, force, ah, plus de place. Ok, plus de place non plus. Alors, ton arc fait du 41-54. Lui, il est pas mal, mais par contre, celui-là, il donne quand même pas mal de bonus. Sympathique. Il faut 24 de force à combien de fois? Plus 20, et toi t'en as 21, donc ouais, c'est pas tout de suite qu'ils pourront l'utiliser. Ok. Ouais, c'est parti. On est à nouveau équipé. Ça valait le coup, hein. Bah, surtout pour l'œil de harpie, ou je sais plus quoi, enfin le truc, je crois que c'est 10 000. Machin, il vaut 10 000 pièces d'or. Oui, on peut faire le coup. Pourquoi ils attaquent pas eux? Ah
pas besoin de faire gaffe. On récupère l'anneau. L'anneau unique. Là, ça fait un peu la communauté de l'anneau quand même. Hein. Oula, vache. J'en ai assez bon sur le gros. Que la suite est à gauche, du coup on va aller à droite. Ne fuyez pas, bande de fous. Putain, mais c'est à cause de cette bestiole en fait. J'arrête pas de fuir. Quoi par là? Ok, non, c'est un cul-de-sac par là, ok. Ouh la vache. La caméra phénicienne, ok, bon. On part par là. Ouh, ça sent la sortie, ça. Non? Ah, j'ai pas combattu pour l'instant. Ouais, ça va être genre de mini-boss ou de... Il bosse donc. Rien là-dedans. Putain. Là-dedans non plus. Sérieux? Je la guigne. Ah ouais, c'est la sortie. Ouais, par contre, ça partage les... Les choses, ça va être compliqué. Hyper loin comme des malades. Ok. On va arrêter de se soigner parce que là, la forêt noire, elle est bien dense. Sûrement pour ça qu'elle s'appelle la forêt noire, justement. Voilà, tout le monde revient là. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos,
de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.